qu'il y a d'autres livres en préparation ou qui sont en train de paraître? Il y en a 6 là qui parlent. Il y a Hâtons-nous de rendre la philosophie populaire, la raison populaire. Hâtons-nous de rendre la philosophie populaire, c'est une expression de Diderot. Et j'ai fait un petit livre qui s'appelle Rendre la raison populaire. C'était un. Alors, il y a eu un colloque à Cerisy. Cerisy est un lieu de réflexion un peu intello, avec ce que ça peut me présenter d'insupportable, comme, enfin, c'est un peu pénible parfois. Et donc, il y avait une décade. Donc, en décade, c'est 10 jours, mais là, c'était une semaine. Une décade d'une semaine consacrée aux universités populaires. Et comme je suis du genre à déborder un peu, j'avais fait une présentation qui est devenue une espèce de gros texte. Et j'ai réduit mon texte pour que ça rentre dans les actes d'un colloque. Et ce peu de texte, un peu gros pour des actes de colloque, était assez gros pour faire un petit livre. Donc ça donne ce petit livre. Il y a les actes du colloque. Il y a Le Brumel, Vie et mort d'un dandy. Il y a un livre qui s'appelle Le post-anarchisme expliqué à ma grand-mère. Parce que ça m'énerve, tous ces livres de gens qui expliquent la République à leur fils, le féminisme à ma fille, ou des conneries comme ça. Donc j'ai évidemment eu une grand-mère, mais comme ma mère était de l'assistance publique et que j'ai eu un vieux papa, donc je n'ai pas connu ma grand-mère. Donc là, j'explique à une grand-mère hypothétique ce qu'est le post-anarchisme. C'est encore un autre sujet. Il y a 2 volumes de la contre-histoire de la philosophie. Expliqué à ta cousine. Oui. Il y a, je ne sais plus quoi, enfin, il y a un livre d'entretien sur la musique qui s'appelle La raison des sortilèges. Et puis, je ne sais plus, enfin voilà, et puis il y a encore 4 ou 5 livres qui sont prêts. Il y a 2 volumes d'un journal hédoniste qui sont prêts. Si je meurs, c'est pour dire que mes ennemis auront pour. Télérama pourra encore faire quelques pages. Et puis un livre auquel je travaille, et ça c'est plus important pour moi, mais il faudrait que je trouve du temps, et qui s'appelle Ré-Ra, probablement Cosmos, et qui est un livre que j'écrirai probablement à partir de la mort de mon vieux papa dans mes bras, à minuit et demi un jour, en regardant les étoiles qu'on n'a pas vues parce que le ciel était couvert. Et je souhaiterais développer cette idée que la philosophie gagnerait à faire l'économie des bibliothèques et des livres pour retrouver à la lecture du monde. Ça, c'est une leçon que Jean Solaire m'avait donnée. Mais je pense effectivement que quand le monothéisme existe, il nous dit que la vérité du monde est dans le livre qui nous dit la vérité du monde. Et on fait l'économie du monde quand on s'en va chercher la vérité du monde dans un livre. Et je souhaiterais qu'on ferme les livres sacrés, entre guillemets sacrés, mais qu'on en finisse avec les grands livres du monothéisme et qu'on interroge enfin le monde. C'est-à-dire qu'on sache interroger aujourd'hui les étoiles, la mer, la lumière, la lune, les étoiles, ce genre de choses, et qu'on aille voir du côté de sagesse dont on se moque éperdument. Dans l'histoire officielle de la philosophie, c'est-à-dire la sagesse des Inuits, la sagesse des Indiens, la sagesse des sauvages, et qu'on retrouve cette vérité qu'on est vraiment bien dans sa peau, parce qu'on se remet au centre de soi, donc au centre de l'univers, que quand on a compris quelle place on occupait dans le cosmos. L'écologie a permis, et c'est tant mieux, et bravo à l'écologie pour ça, mais l'écologie a permis de comprendre que nous étions dans la nature, que la nature était périssable, et c'est très bien. Mais je pense qu'il faudrait élargir et dire que la nature elle-même est dans un cosmos dont nous n'avons pas encore pris la mesure, tous les sens du terme. Et je pense que si on lit des astrophysiciens, je pense à Jean-Pierre Luminet, et qu'on en connaît un petit peu plus en termes d'astrophysique, alors à ce moment-là, on pense l'univers dans lequel on se trouve, on découvre d'autres choses. Je ne veux pas dire qu'on brûle les livres, parce que même métaphoriquement, ce n'est pas quelque chose que je veux utiliser, mais je veux dire, on laisse de côté un certain nombre de livres qui nous éloignent du monde pour revenir au monde en nous disant, mais bon sang, si je comprenais le mouvement du monde, que j'y consentais, que j'y adhérais et que j'y jubile, alors je trouverais probablement un sens à mon existence. Et ce que je viens de dire, ce n'est jamais que la définition que Nietzsche donne du surhumain et du surhumain. Bon, on aperçoit qu'en matière d'idées, on est encore loin du trou noir. Très bien, merci beaucoup.